Bien. Bonjour, bienvenue donc dans cette pratique. Je propose de prendre le temps de vous poser. Prenons le temps de nous poser, de laisser le corps se poser. De vérifier que nous sommes bien assis. Laissons venir en nous une question toute simple. Peut-être est-ce une question que nous ne nous posons pas souvent ou pas du tout. Comment est-ce que je me sens maintenant? Et de voir à partir de cette question toute simple, comment est-ce que je me sens maintenant, toutes les réponses qui arrivent. Toutes les réponses dans un grand désordre de réponses. Peut-être y a-t-il des réponses liées à des sentiments, à des émotions, à des pensées. Des réponses liées au corps. Liées à l'état dans lequel je suis maintenant. Comment est-ce que je me sens maintenant? Et si j'essayais de mettre un petit peu d'ordre dans ce désordre, peut-être que je pourrais commencer par voir comment est-ce que je me sens au niveau du corps. Là, le corps est là, tout entier, disponible pour être regardé avec attention, avec douceur. Comment est-ce que je me sens maintenant au niveau de mon corps? Qu'est-ce qui est présent comme sensation corporelle? Sur un plan large de tout le corps. Peut-être qu'il y a une tonalité générale. Une tonalité de sensation. Ou bien même une tonalité de pensée sur le corps. Ah, je me sens dans quelque chose qui est très agréable, par exemple. Ou au contraire, dans quelque chose qui est plutôt désagréable. De voir que peut-être ce sont des pensées qui sont collées sur
Comment est-ce que je me sens là juste à cet instant? Et ramenant mon attention sur le corps. Comment est-ce que je me sens là dans mon corps? Et si regarder le corps dans son ensemble est trop difficile, ou nous paraît inaccessible à cet instant, je pourrais aller voir différentes parties du corps. Par exemple, le bas du corps, les pieds, les jambes, voilà, sans remonter plus haut, mais juste de voir comment est-ce que je me sens dans cette partie basse du corps. Quelle est la tonalité qui est là? Et puis en remontant vers la partie plus haute, donc tout le buste, du bassin jusqu'aux épaules. Comment est-ce que je me sens dans ce buste à cet instant? Je peux amener mon regard sur toutes les sensations, sur tout ce qui apparaît. Et si j'allais voir maintenant la zone des bras, du bout des doigts jusqu'aux épaules. Quelle est la tonalité, juste là? M'invitant à présent à déplacer mon attention vers la nuque, la gorge et la tête. Comment est-ce que je me sens dans cette zone? Maintenant que j'ai fait un petit peu le point au niveau du corps, que je vois un peu la tonalité générale de comment je me sens, je pourrais peut-être remonter au niveau de la tête et au niveau en particulier de tout ce qui se passe dans la tête. Comment est mon esprit à cet instant? Peut-être y a-t-il de l'agitation ou du calme. De la confusion ou de la clarté. Beaucoup de pensées, pas beaucoup de pensées. Ou quelque chose entre les deux, entre au milieu de tout ça. Comment est-ce que c'est, là, juste maintenant, la photographie de ma tête, de mon mental?
et simplement de noter comment je me sens dans cette zone du mental. Notez que les pensées apparaissent, se produisent, arrivent dans le champ de ma conscience. Parfois, je peux être amené à m'agripper à ces pensées-là, à vouloir rester avec, ou tout du moins à ce qui est comme un pilotage automatique qui m'amène à rester agrippé dans une certaine agitation, une certaine confusion. Puis à d'autres moments, la situation est plus calme. Voilà, je viens de faire le point tout doucement sur comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma tête. Et quel que soit l'état que je note, quel que soit peut-être le sentiment que j'ai par rapport à cette petite météo que je viens de faire, je pourrais à présent amener mon attention vers le souffle. Et c'est simplement sentir le souffle qui est là, qui respire. De noter son mouvement tranquille. Notant que peut-être mon élan serait de modifier le souffle, peut-être de le sentir plus, qu'il soit plus comme ci, plus comme ça, plus profond, plus court, plus normal, plus apaisé, plus quelque chose ou moins quelque chose. Et que là aussi, cette production mentale peut être laissée de côté pendant un moment. Et ramener une attention à la fois douce, claire, direct sur le souffle. De vivre l'expérience du souffle au milieu de toute l'expérience, de sentir le souffle qui se produit, de sentir le mouvement, le cycle, de reconnaître peut-être une certaine fluidité. D'amener ce regard tendre et aimant vers le souffle. D'aller le rencontrer. Comment est-ce que je me sens avec le souffle et dans le souffle? Quelle est la sensation? Quel est le sentiment?
Et tout doucement, quand je suis prêt, quand je me sens prêt, d'amener l'attention maintenant sur les points de contact du corps avec là où il est posé. Sentir les pieds au sol, l'arrière des cuisses, les fesses, le bas du dos sur la chaise, le fauteuil ou le coussin. Les mains là où elles sont posées. Peut-être sont-elles sur les cuisses ou l'une dans l'autre. Simplement sentir ces points de contact, cette réalité du contact du corps avec là où il est, le support, les supports. Comment est-ce que je me sens dans ces points de contact? Comment sont les sensations? Quels sont les sentiments qui apparaissent? Élargissant tout doucement le champ de la conscience à l'ensemble du corps, l'ensemble de la tête, de noter simplement le sentiment qui se dégage, les sensations qui se dégagent, dans l'entièreté, dans l'unité du corps, de la tête, du souffle, des points de contact. Notons simplement ce sentiment général.